Bonjour tout le monde, Jean du son et Aurélien720. Salut tout le monde. Pour l'épisode numéro 2 de BTP. Voilà, on va l'appeler comme ça, je trouve que ça fait bien. Donc, aujourd'hui, bon déjà on a... Enfin, je l'ai pas montré la dernière fois, mais Auré vient de gagner l'armure que j'ai eue dans un coffre. Lorsque vous votez, en fait, vous avez des clés. Et au spawn, vous pouvez ouvrir un coffre. Et vous avez des surprises random. Et en gros, bah là, il a eu comme moi, donc il a eu une armure full P6. Oui, P6. Hein, Unbreak 3. Voilà, voilà. Comment dire, c'est pas trop mal. Ça va, c'est pas dégueulasse. Juste en votant, hein, voilà. Sinon, hormis ça, quelques changements sur la ferme à arbres. On va vite faire refaire un truc propre. Voilà, bon, de toute façon, à terme, elle dégagera parce que... Il y aura une maison. On fera ça ailleurs, ouais, au pire, soit on le dégage complètement, soit on fera une... Soit on le remettra en maison au propre. Mais en gros, on a mis ça, des coffres en opsy parce que ça va. Et puis le digital mineur. Faut savoir que le digital mineur tourne à plein régime. Donc en fait, à l'heure actuelle, bah, les ressources, c'est pas trop un souci. Donc là, aujourd'hui, au programme, Auré va crafter des jetpacks. Pendant que moi, je vais m'occuper de faire un Ultimate Energy Cube. Et je pense qu'on attaquera aussi les caves d'énergie de chez Under.io. Donc il va falloir faire les octadites et tout le bordel. Afin qu'on puisse un minimum avancer. Il faut savoir aussi qu'on fait ça parce que Auré a commencé à design vite fait le design général de la maison. Et du coup, il faut que les... qu'on prépare, on va dire, ce qu'il faut. Et donc, vu que les câbles Under.io se font très bien dans le mur, bah voilà, on est un peu obligé de passer par là. Donc, nous, on va aller avancer tout ça. Sinon, entre temps, la turbine produit toujours. Hein, là, on a ouais, on a 112 millions d'RF, sachant que le digital miner tourne et que la ferme à arbre tourne, ça monte tout le temps. Donc, ouais, on est pas trop mal. Voilà, voilà. Donc, nous, on va aller faire tout ça, puis on se retrouve une fois qu'on a une voix. Tout à l'heure. Bien, donc après quelques heures de jeu, nous avons avancé. Donc vous pouvez voir déjà qu'on a chacun un jetpack. Auré a crafté deux armoires et jetpack. Il a dû aussi... N'importe quoi. Il a dû aussi setup bah, du coup un électrolyte séparateur et tout le bordel. Bon bref, c'était cool. Autre chose, j'ai crafté un Ultimate Energy Cube. Bon là il est déchargé parce que j'ai été faire tourner le digital mineur et quand on regarde les ressources on a presque 15 stacks d'or et 5 on a 6 stacks et demi de diamants, donc on est pas mal. Faut savoir que Auré est en train de designer à l'heure actuelle la base. Et donc d'ici la prochaine séquence, il y aura certainement un timelapse de construction, peut-être pas la totalité, mais peut-être. Nous, il va falloir qu'on aille former les ressources, tout ça, donc ça va nous prendre encore pas mal d'heures de jeu. Mais bon, normalement, à la prochaine séquence, eh bien, on aura une base, donc il y a encore pas mal de taf. Donc on se retrouve bah, tout à l'heure, pour nous, c'est à mon avis dans pas mal d'heures. Donc voilà, au revoir.
C'est donc après plusieurs... une semaine littéralement de jeu que nous avons terminé cette énorme construction de 8000 blocs de superficie. Enfin bon, après faut enlever quand même la cour intérieure. Et entre temps il y a eu également un nouvel arrivant qui s'appelle Donovan63 qui est là-bas, là, il est derrière la turbine là-bas. Il est un peu en train de bosser. Il est caché. Alors pourquoi il nous a rejoint? Tout simplement parce qu'il a intégré la team de DofusCraft et qui voulait jouer avec nous, voilà. Mais bon, en gros il fait partie de la famille comme avait dit Auré. Donc voilà, mais c'est évidemment le seul, hein, à pas en accepter 26 000. Voilà. Sinon, donc, on a déplacé la base à l'extérieur provisoirement. On a déplacé toute la ferme à arbres, la turbine, etc. là-dedans, dans cette grande pièce, pour que ça s'intègre, parce qu'on avait un problème, c'est que là-bas, bah, le plafond était trop bas. Voilà, bon, ça fait un bordel. Tout le câblage, ça a été refait. Donc la turbine, bah, elle tourne comme neuf, quoi. Tac, elle a déjà 48 millions, donc là, ça a été reset. Et puis donc voilà, la maison qui a été design par Auré, n'est-ce pas? Et bon, après quand tu sais de ressources, ouais il a fallu au total, donc il a fallu une semaine pour farmer et construire, hein, donc voilà, on y a passé 2 jours à la construction et plusieurs jours de farm, même si on joue pas toute la journée, mais on a pas mal taffé, donc voilà, mais au moins on a une base propre et c'est ce qui compte. Hop. Donc, ouais, ça nous a pris beaucoup de temps à la faire. Partie crate. Ah, 500 dollars. Wow. Et du coup, ben c'est la fin de l'épisode. Je pense qu'il n'aura pas été très long, mais pour nous, ça a été un travail immense, faut le savoir. C'est la plus grosse construction que j'ai jamais faite en survie, clairement. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit like, à commenter si vous avez quelque chose à dire. Et puis à passer sur la chaîne Auré. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode qui, j'espère, viendra plus vite. Mais là, c'est un gros épisode, donc c'est pour ça qu'il a mis du temps à sortir. Voilà, sur ce, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Allez, tchuss! Au revoir!